jungle les deux. Ouais, Nari Baza Chekunde les grands. Les produits qui produisent les produits. Hein? Je suis au paradis, j'étudie dans les bonnes conditions. Je suis protégé comme un ange, j'ai le paradis, et c'est le paradis. Laissez-moi te dire ceci, Paulé est mon école, c'est la pierre de Kikasa. Ok, toi, qu'est-ce que tu as vu? Mon ami, qu'est-ce que tu as vu? Non, il faut dire, j'ai vu l'avion, qu'est-ce que tu as vu? Très bien, tous ensemble, qu'est-ce que vous avez vu? Pourquoi nous disons que l'avion c'est un moyen de transport nous disons que l'avion c'est un moyen de transport aérien? Parce qu'il décolle à l'air. Parce que ça décolle en l'air. On fait quoi? Les débarquements. On fait quoi? Les débarquements. Quand nous devons pour les chipolins, il est soumis à la discipline scolaire qui repose sur les instructions officielles régissant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Bonjour. Présentation. Je m'appelle M. Gaston Tombo, je suis coordonnateur de l'aéroport national de Kananga. Nous sommes quand même très contents de la présence de ces enfants du complexe scolaire Colin de l'Éternel. Et nous remercions en passant pour cette belle initiative parce que la formation est d'abord théorique et c'est bien aussi que ces enfants puissent aussi, étant tout petits, palper un peu quelques réalités, comprendre un peu les petites théories qu'ils ont déjà reçues au niveau de leur complexe scolaire pour un de l'éternel. Aujourd'hui, les enfants ont appris d'abord comment se font les formations et les formalités pour voyager, les étapes qu'il y a pour voyager, par exemple l'embarquement, les enfants assistent à l'embarquement, bientôt là ils vont assister au décollage de l'avion et ils ont même assisté quand l'avion a atterri et lors des débarquements de passagers, les enfants ont vu tout ça, comment ça se passe au niveau des transports aériens. Et l'étape qui sera en l'air, c'est la croisière, le décollage, la croisière, l'atterrissage à la destination. Et là, les enfants ont apprécié, ils ont compris. Selon la pédagogie, quand vous avez enseigné une leçon, il faut que les enfants voient le matériel. C'est ainsi que nous sommes venus avec eux pour qu'ils voient comment l'avion descend et comment l'avion va descendre. Oui. Je sais que M. Paulin de l'Éternel est en train de fournir ses efforts pour la bonne formation de ses enfants ici et la formation de haute qualité. Je crois que ce n'est pas peu ou ce n'est pas une petite chose pour venir avec les enfants ici. Même vous l'avez constaté qu'on est en train de payer pour ses enfants ici. Alors lui là se débat chaque fois pour dépenser son argent afin que ses enfants puissent concrétiser la matière. Tu es élève de quelle classe? Je suis l'ami de la troisième maternelle à complexe scolaire Colin de l'Éternel. Tu es ici à l'aéroport de Kananga. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu voir l'avion. Ah, qu'est-ce que tu as appris de l'avion? J'ai vu l'avion comme l'avion d'école, comme l'avion atterri. Qu'est-ce que tu vas dire aux parents quand tu vas rentrer? Je vais leur dire que maman, on est parti. Pour voir l'avion qui est le moyen de transport aérien. Merci. Attendez.